paix soit avec vous. Nous sommes arrivés au 18e dimanche du temps ordinaire. Nous continuons la lecture du chapitre 6e de Saint Jean, le grand discours de Jésus sur le pain de vie. Après la multiplication du pain, et sa distribution à des milliers de personnes, Jésus a donc commencé à Capharnaüm à enseigner sur le cœur de la foi chrétienne qu'est le don de lui-même que nous reprenons tous les jours dans l'Eucharistie. Dans le texte de ce jour, nous voyons les foules qui suivent Jésus et lui demandent comment il a fait pour se retrouver de l'autre côté. Et Jésus leur dit, je sais que vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain et vous avez été rassasiés. Même au temps de Jésus, la recherche de satisfaction matérielle n'était pas exclue de la recherche de Dieu. Mais Jésus en profite pour faire passer deux messages. Le premier message, c'est ce qui devrait être la préoccupation première des fidèles. Il dit, travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusqu'à la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. À cet enseignement, la foule répond par une question classique de la Bible. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Et Jésus leur répond, qu'est-ce qu'il doit faire? Et eux entendent par œuvre de Dieu une multitude de choses à faire, alors que pour Jésus, ce n'est pas le cas. Alors qu'est-ce que Jésus dit? L'œuvre de Dieu, au singulier, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, ce n'est donc pas d'abord des milliers de choses à faire. Ce n'est pas des choses à faire, c'est l'adhésion à la révélation, au don de son amour que Dieu nous fait en son Fils Jésus. L'accepter comme manifestation de l'amour du Père, comme source de libération, comme source de transformation intérieure. C'est ça que Jésus appelle l'œuvre de Dieu. C'est l'opus Dei en latin qui a été repris par la créature que nous connaissons, mais ça remonte à Saint Benoît qui présentait à ceux qui le suivaient dans ses grottes en Italie où il s'était réfugié, qui leur présentait donc l'œuvre de Dieu comme le fait de se donner entièrement à Dieu sans réserve pour sa plus grande gloire. Il disait, ne rien préférer à Dieu. Et le mettre en pratique, disait-il, d'un côté par le travail et de l'autre côté par la prière. La prière sanctifiant le travail et le travail renforçant la prière. C'est ça que c'est de notre propos. Ce qui n'est pas mal que nous reprenions, n'est-ce pas? Le collège Vogt a vulgarisé l'enseignement de Saint-Benoît en parlant de ora et labora, c'est-à-dire prie et travail. La vie chrétienne va sur celle de rail. L'œuvre de Dieu est donc d'abord cette adhésion à la manifestation de Jésus, maintenant une réponse par ce que nous faisons dans le travail. Mais ce n'est pas ça la fin de l'enseignement de Jésus. Les Juifs lui demandent de leur donner un signe en lui disant au désert, nos pères ont reçu comme signe de la force de Dieu, de son amour, un pain qui était descendu du ciel, la manne. Et Jésus leur dit, amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. C'est le cœur du discours qui commence à se donner à nous. Jésus se compare à Moïse comme il le fait déjà dans le texte de Matthieu.
lui se propose d'être le nouveau Moïse. Mais ici, il monte le débat. Ce n'est pas Moïse qui donne le pain, c'est son Père à lui. Donc c'est lui. Et le pain qui descend du ciel, ce n'est pas seulement le pain matériel, c'est lui Jésus qui est le pain qui est descendu du ciel. Et il le dit plus d'une fois, et Dieu nul ne l'a jamais vu, sauf celui qui est descendu du ciel. Et il précise bien que ce pain qui est descendu du ciel, n'est-ce pas, et qui donne la vie. Cette expression « descendu du ciel », le pain descendu du ciel, nous l'avons intégré même dans notre profession de foi. Et c'est donc la célébration ici de l'incarnation, c'est-à-dire de Dieu qui décide d'entrer dans l'histoire des hommes, le ciel étant le symbole du lieu où Dieu réside. On a l'impression qu'il y a comme une descente du ciel vers la terre pour qu'il y ait une communion, un échange merveilleux entre le ciel et la terre. Et ça continue. Ils disent à Jésus, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Ils s'imaginent un pain comme la femme samaritaine qui leur donnera de ne plus jamais avoir la faim matérielle. Et Jésus insiste, moi, je suis le pain de la vie, c'est-à-dire le pain qui donne la vie. Jésus est donc celui qui satisfait aux besoins de l'homme. Il y a des idéologies qui nous attirent, qui peuvent briller, mais n'illumineront jamais notre intelligence comme le Christ. Il y a beaucoup de choses qui, dans la vie de l'homme, peuvent avoir une certaine réjouissance, donner une certaine réjouissance à l'homme, mais ne lui donneront jamais la satisfaction totale. C'est vrai, la joie que Jésus donne, la paix que Jésus donne, la sérénité que Jésus donne, lui seul est capable de donner cette paix. Et lui-même dit, ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde. Donc quand Jésus nous dit, moi je suis le pain de la vie, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, celui qui croit à moi n'aura plus jamais soif, il veut se présenter comme celui qui satisfait aux besoins fondamentaux de l'homme, à ce qui est vital dans l'être humain. Jésus le satisfait dans ce qui est tellement interne à nous que ça ne peut plus être séparé. Il ne s'agit pas d'une satisfaction seulement matérielle, mais ce qui comble l'homme dans ce qu'il recherche le plus, le bonheur, la vie éternelle. Voilà pourquoi nous disons avec les jeunes, avec Jésus, vivre heureux et vivre éternellement. En ce saint dimanche, que Dieu, le Père plein de tendresse, vous comble de son bonheur, de sa paix, et qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.